Depuis quelques semaines, le film À travers ma fenêtre, L'amour pour Horizon cartonne sur Netflix. Ce dernier raconte la tendre histoire d'amour entre deux jeunes gens, qui se retrouvent après avoir été séparés durant un an. Pour incarner Raquel, le personnage principal c'est l'actrice Clara Gall qui a été choisie. Il y a bientôt 10 ans que Netflix s'est installé sur le territoire français, offrant à ses abonnés chaque mois de nombreux films et séries. Il y a une semaine, la plateforme a même annoncé des nouveautés à venir en pagaille lors de son événement Tudum, qui a eu lieu dans la ville de São Paulo au Brésil. Un événement durant lequel étaient présentes de nombreuses stars de séries et films de la plateforme, comme Chris Hemsworth qui a fait une déclaration d'amour à la France dans une vidéo de promotion pour le film Tyler Rake 2. Si la plateforme est connue pour ses programmes parfois terrifiants comme Dahmer, ou violents comme The Witcher, elle l'est aussi pour les nombreuses romances qu'elle offre à ses internautes, comme par exemple la série de films À tous les garçons que j'ai aimés, ou bien la moins romantique saga 365 Nights. Une des sagas populaires de la plateforme est l'adaptation des romans À travers ma fenêtre, dont le deuxième volet est arrivé il y a peu, et dans lequel brille l'actrice Clara Gall. Un talent venu d'Espagne né le 15 avril 2002, Clara Gall, de son vrai nom Clara Huete Sanchez, se passionne dès le plus jeune âge pour l'art dramatique, et intègre par la suite l'Institut Plaza de la Cruz, dans lequel elle se forme au théâtre ainsi qu'à la danse contemporaine et urbaine. En 2019, elle fait ses premiers pas devant les caméras pour une campagne de pub pour une marque de bijoux en Espagne. Elle commence alors une carrière de mannequin, et étudie en parallèle l'histoire de l'art à l'Université Complutense de Madrid. En 2022, elle est choisie pour incarner le rôle de Raquel dans l'adaptation du roman À travers ma fenêtre écrit par Ariana Godoy. Le film raconte l'histoire de la jeune femme, qui tombe amoureuse de son voisin Ares, en l'espionnant depuis sa fenêtre. Un film qui a été un immense succès sur Netflix, et qui a lancé la carrière de l'actrice qui a rejoint le casting de la série L'Internat sur Prime Video la même année. En 2023, elle reprend son rôle de Raquel, dans À travers ma fenêtre, L'amour pour Horizon. Un rôle qu'elle s'apprêterait à reprendre dans un troisième volet de la saga, que les fans demandent. Un début de carrière prometteur pour l'actrice que l'on risque de revoir de nouveau et très rapidement.